Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans un nouveau jeu que vous connaissez peut-être, Toward One. Alors si je dis mal, je suis désolé les gars, mais en tout cas ce jeu les amis est super cool, juste c'est un Minecraft réaliste, voilà. J'ai déverrouillé toutes ces maps, voilà. On va commencer par, je pense, elle, parce qu'elle est très bien. Alors, donc, je vous présente Minecraft réaliste, voilà. Donc, allez, ça bug un peu par contre, ouais, ça bug un peu parce que le OBS filme en même temps, donc je sais pas pourquoi ça bug. Donc, vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez tout faire les amis, donc vous avez un marteau, vous avez ça, c'est un spray, vous avez un extincteur, là vous avez un lance-flamme. Flingue, ouais. Là vous avez des planches. Là vous avez des bombes, des petites bombes. Et là c'est un gun. Et là vous avez des bombes qui pètent bien fort. Ok, voilà. Alors bien sûr ce bateau là vous pouvez le conduire. Il est en train de couler, mais vous pouvez le conduire. Là vous pouvez ouvrir la porte. Qui est un mécanisme, en fait vous prenez la porte là. Là je l'ai pris avec le clic gauche. Le clic droit, et là vous pouvez avec la souris le bouger, voilà, comme ça. Là vous cliquez sur eux, et là vous avez le paquebot, on va dire, enfin le bateau, qui fait que vous pouvez avancer. Donc là oui, je défonce un peu le côté, mais bon, j'ai pas le choix. Parce que, enfin j'ai le choix, mais j'ai la flemme de faire tout un détour et tout. Donc voilà, en tout cas l'eau est super stylée, tout est super stylé, vous pouvez bouger le bateau, vous pouvez bouger tout, on va dire. Donc, ce jeu est payant, normalement, mais je l'ai craqué, voilà, je vous le dis. Voilà, le jeu est super bien, hein. Le jeu je trouve qu'il est super bien. Là vous pouvez poser des bombes à fond. Voilà. Et alors pourquoi ça bug encore, parce que je crois que ça fait ça. Et l'eau, je trouve que l'eau est super réaliste. L'eau par contre elle est méga réaliste. Je trouve que ce Minecraft là les amis, c'est un Minecraft, on dirait des Lego. J'avoue qu'on dirait des Lego, mais c'est un Minecraft super super réaliste, on va dire. Lined et puis des gens comme ça avaient déjà fait des vidéos dessus. Mais moi je fais une petite vidéo comme ça pour vous présenter un peu les détours de ce jeu. Parce que Lined et tout, ils disent que c'est un jeu super réaliste et tout. C'est vrai, il est super réaliste, mais il présente pas le jeu, ils montrent pas où est-ce qu'ils ont trouvé. Alors les amis, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce qu'il y a déjà des gens dans les commentaires, des fois ils me disent ouais Mino t'as dit ça mais tu l'as pas mis en description. Alors je mettrai peut-être le jeu en description si je le retrouve, parce que je l'ai craqué mais j'ai oublié, je l'avais téléchargé, je vous avoue. Donc voilà, voilà. Alors bien sûr vous avez l'intérieur des maisons, vous avez tout, il n'y a pas que cette map là, il y a une autre map. C'est une map, vous spawnez, vous êtes voilà ici. Là il y a un yacht déjà, et là vous avez un camion, voilà. Et ça les amis c'est voilà, vous pouvez conduire. Là vous pouvez aller là. Vous pouvez faire un accident aussi, vous savez, ça bouge trop, et ben là. Attendez merde. Voilà. En tout cas voilà. Ça c'était cette map là les amis, vous la laisserez vous la découvrir vous-même. Voilà. Par rapport à cette map qui est stylée quand même. Et sous les amis ça fait ça. Là vous avez le dessus de l'eau qui est super stylé. Et là vous avez le sous l'eau. Sous l'eau les amis ça fait ça. Un petit bruit qui est super stylé. Donc voilà, ensuite vous avez cette map là qui est la map première où vous ferez vos missions dessus. Alors je vais vous présenter les missions parce que les missions les amis vous en avez à faire pour découvrir, pour débloquer des maps. Le vrai jeu n'est pas comme ça on va dire, le jeu il a plus de maps, il a plus de trucs et tout. Mais moi les amis je suis dans une version ancienne mais c'est la seule qui marche on va dire. Enfin il y en a d'autres qui marchent comme version mais personnellement je les ai pas prises quoi. Je les ai pas prises comme version parce que ça faisait bugger mon ordi, enfin c'est pas que ça faisait bugger mais... Ça m'avait fait tout enlever, puis la map, les anciennes versions, les autres versions craquées sont éclatées. Donc voilà. C'est pour ça. Tac. Donc campagne, les amis, dès que vous arrivez ici, vous arrivez là. Vous arrivez là-dedans, voilà, là c'est les missions ici. Donc ça bug ici parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout ici. Là, les amis, vous avez ce que je vous avais fait, voilà, ce que ça vous montre et tout. Là, vous avez vos missions. Donc moi, j'ai commencé, bien sûr, avec cette mission, toute la première, là, qui me disait, il faut aller détruire cette mission, voilà. Il faut aller détruire cette maison et tout. Donc les missions, c'est ici. Vous avez celle-là et celle-là. J'ai fait tout ça comme mission, il y a tout ça à faire. Avant de débloquer, les amis, vous avez tout à débloquer, quoi, c'est super long. Oh, il y avait une mission ici. Attends, je connais pas les gars ici. Mais c'est une map des premières, je crois. Ah ouais, non. En fait, les amis, c'est là, il faut détruire... ça en entier, tu vois, il nous dit 6 mètres, il faut le détruire en entier. C'est le tout premier truc que vous ferez quand vous arriverez sur le jeu, c'est la première mission à faire. Voilà. Bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce jeu les amis qui est magnifique je trouve. Il y a le mode create aussi où je vous présente d'autres maps donc vous irez vous découvrir vous-même. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. N'oubliez pas l'abonnement, le like et le partage et puis moi je vous laisse. Bisous bisous tout le monde.